Montons à Jérusalem. Dans le désert avec Jésus. 13e jour. Vivons dans la prière, le partage, la pénitence, le pardon et la pratique de la parole. Thème du 13e jour dans le désert, aimer en servant. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, les versets 17 à 28. Introduction tirée du commentaire du pape François. Le carême est un temps pour renouveler notre vie en nous identifiant à Jésus à travers le don généreux qu'il fait de lui-même à ses frères, en particulier aux plus démunis. Concrètement, nous devons aider les plus pauvres et les plus démunis. Rappelons-nous que chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être instruments de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres. En particulier, il faut savoir accueillir parce que lorsque nous sommes généreux dans l'accueil d'une personne et que nous partageons avec elle un peu de nourriture, une place dans notre maison, notre temps, non seulement nous ne restons pas plus pauvres, mais nous nous enrichissons. Quand Jésus nous dit « Je suis venu pour servir », il nous enseigne la synthèse de l'identité du chrétien, aimer en servant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prière à l'Esprit-Saint. Venez, Esprit Créateur, visitez l'âme de vos fidèles, emplissez de la grâce d'en haut les cœurs que vous avez créés. Vous que l'on nomme le conseiller,
le don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Vous êtes l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est vous qui inspirez nos paroles. Allumez en nous votre lumière, emplissez d'amour nos cœurs, affermissez toujours de votre force la faiblesse de notre corps. Repoussez l'ennemi loin de nous, donnez-nous votre paix sans retard, pour que, sous votre conduite et votre conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Faites-nous connaître le Père, révélez-nous le Fils, et vous, leur commun esprit, faites-nous toujours croire en vous. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint Consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. La vie, c'est un désir. Chapelet de la Libération. Ce chapelet est une prière que nous pouvons faire dans les moments difficiles, les moments de souffrance et de douleur. Avec ce chapelet de libération et de guérison, nous pouvons manifester notre foi dans les pouvoirs du Seigneur en croyant que si nous invoquons Jésus de tout notre cœur et de manière humble, nous pouvons avoir la sagesse, être guéris et libérés de toute maladie. Prions ce chapelet avec foi et demandons à Jésus de nous venir en aide, de venir en aide à l'Église, aux pays en difficulté, aux familles, à nos enfants, aux jeunes et à tous ceux qui se confient à nos prières. Car si Jésus nous libère, nous sommes vraiment libérés. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Sang précieux de Jésus, tombez sur nous et inondez-nous en puissance et en abondance. Première dizaine. Offrons toutes nos chaînes à Jésus, notre libérateur, au cours de cette dizaine. Les chaînes causées par la maladie, la souffrance, la douleur, le découragement, le chômage, les chaînes causées par le rejet, par nos échecs, par tous ceux qui nous tourmentent. Demandons à Jésus au cours de cette dizaine de briser toutes nos chaînes et de nous libérer. Si donc le Fils nous libère, nous sommes réellement libres. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Deuxième dizaine, prions pour la libération des familles, la libération de tous les couples en difficulté, de tous les couples infertiles. Jésus, libérateur, libère les familles. Si donc le Fils libère nos familles, elles seront réellement libres. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous.
Jésus sauve-nous. Jésus libère-nous. Jésus aie pitié de nous. Jésus guérit-nous. Jésus sauve-nous. Jésus libère-nous. Jésus aie pitié de nous. Jésus guérit-nous. Jésus sauve-nous. Jésus libère-nous. Jésus aie pitié de nous. Jésus guérit-nous. Jésus sauve-nous. Jésus libère-nous. Jésus aie pitié de nous. Jésus guérit-nous. Jésus sauve-nous. Jésus libère-nous. Jésus aie pitié de nous. Jésus guérit-nous. Jésus sauve-nous. Jésus libère-nous. Jésus aie pitié de nous. Jésus guérit-nous. Jésus sauve-nous. Jésus libère-nous. Jésus aie pitié de nous. Jésus guérit-nous. Jésus sauve-nous. Jésus libère-nous. Jésus aie pitié de nous. Jésus guérit-nous. Jésus sauve-nous. Jésus libère-nous. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Troisième dizaine. Prions pour la libération de notre chère patrie Haïti et de tous les pays en difficulté. Si donc le Fils libère notre patrie, elle sera réellement libre. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Quatrième dizaine. Prions pour la libération de nos enfants et de tous les jeunes. Jésus libérateur, libère les jeunes de l'addiction, addiction à la drogue, à l'alcool, au tabac, au sexe, au jeu. Ceux qui sont en prison, libère-les. Libère ceux qui ne veulent pas aller à l'école ou bien qui ne peuvent pas apprendre. Donne-leur ton intelligence. Jésus libérateur, libère nos enfants. Si donc le Fils libère nos enfants, ils seront réellement libres. On peut redire l'invocation. Si donc le Fils libère mes enfants, ils seront réellement libres.
ou du moins si on peut reprendre cette invocation en citant le nom de nos enfants. Si donc le Fils libère, et maintenant citez le nom de vos enfants, ils seront réellement libres. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Cinquième dizaine. Prions pour notre propre libération ou la libération d'un proche. Si donc le Fils me libère, je suis réellement libre. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, libère-nous. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Si donc le Fils libère, et maintenant cite le nom d'une personne qui a besoin d'être libérée, alors on cite à nouveau le nom de cette personne, est réellement libre. Prions. Seigneur Jésus,
Nous demandons pardon pour tous nos péchés. Nous demandons en ton nom que Dieu le Père envoie son Esprit Saint déverser en notre cœur le don de proclamer ta parole avec foi et confiance par le chapelet de libération. Nous te demandons, Jésus, que ta puissance se manifeste dans notre vie et que tu accomplisses des miracles et des merveilles par cette puissante prière de foi qui n'est rien d'autre que la proclamation de ta parole. Amen. 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 Jésus, libérateur, libère-nous. Jésus, verse sur chacun de nous ton sang précieux et inonde-nous. Salut, ô reine. Ô Marie, mon maman, pousse mauvais courage, toute chrétienne en moment, car souffrir nos entrailles. Salut, ô reine. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfant d'Ève, exilé, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux. Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Grand-mère, mets-nous tout qui n'en désirent, viens chercher nous, fais-nous traverser. Grand-mère, mets-nous tout qui n'en désirent, viens chercher nous, fais-nous traverser. T'es à chaud. Pieds n'en boulent, fais-nous traverser. Nous sans force, nous plate à terre, fais-nous traverser. Ô grand maître, mets-nous tout qui n'en désire. Viens chercher nous, fais-nous traverser. Dans la boue, péchez-nous. Fais-nous traverser, n'en fais noir, la vie nous y est, fais-nous traverser. Prière du 13e jour. Jésus grand maître, mais moi n'en désire, m'habiter, m'abtomber en bas complot méchant yo. Moi certain yo pas gagné dernier moi. Parce que ou pi puissant passe yo, et ou pape jom quitte m pou kont mwen. Avec ou, victoire mwen assure nan tout combat mwen yo, combat piège yo ton pou mwen ak famim. Combat moun kap pale sou dom, kap fè menti sou mwen. Map mande ou tan pri, pa quitte m fè menm jan ak yo. Bon moi l'esprit c'est en langue qui pour parler nan moi et agir nan place moi. Comme ça m'a metté nan service ou à travers frère accès moi yo qui ensemble avec moi nan désespoir.
Amen. Résolution. En ce 13e jour dans le désert, nous allons pratiquer le jeûne de la médisance. Je vais essayer de prendre le temps de me mettre à la place de celui dont je parle ou avec lequel je parle. Aimerais-je que l'on parle de moi ou que l'on dise de moi ce que je viens de dire de l'autre? Seigneur, aide-moi. Tu sais que je ne peux rien sans toi. Je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu libérateur, je t'aime tant. Mon rémen ou grand maître, mon rémen ou bon Dieu qui libère, mon rémen ou. Psaume 30, 31. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. Verset 5. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui. C'est toi mon abri. Méditons le psaume 30. Tout chrétien est appelé à porter ce message d'espérance qui donne sérénité et joie, la consolation de Dieu, sa tendresse pour tous. Mais nous ne pouvons pas en être porteurs si nous ne faisons pas nous-mêmes en premier, l'expérience de la joie d'être consolé par lui, d'être aimé par lui. Pape François, 7 juillet 2013. Prions. Seigneur Jésus, en ce temps de carême, en cette montée vers Pâques, dans ce désert où je me trouve, je veux me rapprocher de toi. Je voudrais que ce moment de prière soit un pas de plus sur le chemin vers toi. Tout au long de ce carême, je t'en prie, purifie mon cœur. Aide-moi à rejeter tout ce qui m'empêche de t'aimer. Seigneur Jésus, je t'en prie. Ouvre mes yeux, aide-moi à reconnaître ta présence tous les jours. Aide-moi à ne pas perdre ces rencontres quotidiennes avec toi, toi qui viens à moi de façon tellement discrète. Dans ce désert où tu me prépares de nombreuses grâces,
Aide-moi à être attentive à tes signes. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Sang précieux de Jésus, tombez sur nous et inondez-nous en puissance. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Sang précieux de Jésus, tombez sur nous et inondez-nous en puissance. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Sang précieux de Jésus, tombez sur nous et inondez-nous en puissance. Que soit scellée dans le précieux sang de Jésus toutes les grâces que nous venons de recevoir. Que soit scellée dans le précieux sang de Jésus-Christ toutes les grâces que nous venons de recevoir. Que soit scellée dans le précieux sang de Jésus toutes les grâces que nous venons de recevoir. Que le Seigneur Tout-Puissant nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous guérisse, qu'il nous donne la victoire sur Satan, sur le monde, sur le péché, sur la maladie, sur le deuil, sur la mort, sur les épreuves. Qu'il nous garde, qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour qu'à sauver.